Ganjok. Organisez une belle arrière. Allez. Papa bébé son moule. Papa bébé son moule. Vous-même qui n'êtes pas de neuf, votre loup. Ok, on déplace. Même si vous conduisez, vous allez bien déplier, vous allez bien allonger. Allongez bien, si vous conduisez. Allez. On déplace. Skipping et mission sur le skipping, mission sur le plan final. Skipping, tata, pao, tata, pao, tata, pao. Et. On déplace. Mais dis-nous quel problème. On n'est pas encore. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Salut. Allez, en son indien, allez. Allez, voilà.
Allez, continuez. Levez pieds, vous allez au bas. Salina. La sélection nationale féminine des moins de 20 ans a réveil musculaire ce matin avant le rendez-vous de ce soir et face au Guatemala, deuxième match de poule de ces éliminatoires de ce championnat et féminin U20 de la CONCACAF, championnat qualificatif pour la Coupe du Monde de football de la FIFA de la catégorie, qui aura lieu en août prochain du côté du Costa Rica. Maintenant, c'est dans le terrain et hôtel là, mesdames et messieurs, après séance d'entraînement qui a été fait hier dans San Cristobal et dans le projet Golf France. San Cristobal là, voilà. Il reposé hier et matin. Hein. Comme il était fait les dernières fois, avant de jouer à Sakiba, il y a un réveil musculaire sous la direction et du directeur technique national AI et également préparateur physique de cette sélection. Et coach Pierre, justement, qui est ce genou là. 9, 10, regardez. Voilà, regardez trois autres entraîneurs qui sont dans là. L'entraîneur principal là, Fionda qui est au milieu. Allez là, et Jean-Hubert Anglade et puis Géralda Saint-Ilus. Oui, 7h PM. Très bien, Pierre. À 7h PM pour Saint-Domingue, 6h pour Haïti. Par contre, combien de fois vous répétez le bagage là? Par contre, combien de fois vous nous répétez là? Chaque fois, c'est la même situation, toujours le même qui a posé. 6, 7, 8, 9, 10. Allez, tenez, ça. Là, comme ça, les sons. 5, 10, vous pouvez attendre, coach. 10, on allez là. Et, oh, oh, on allait ça avec, on allait. Oh, ah, nous n'avons pas prêt. On allait. Et, oh, pas mal. On allait là,
C'est important pour les musculaires. Nous allons faire des pièces, nous allons faire plus tard seulement des échauffements pour les musculaires. Préparer une nouvelle activité plus tard, nous sommes capables de prendre un avantage. Alors, ça là, nous avons un problème pour tout passer manger, coach. Et tout passer manger. Et puis, de là étant, pour nous suivre, reste au rec et mieux pour nous. C'est clair? D'accord. Voilà. Ah, ok, mesdames, vous allez. Faites prier et puis vous faites que vous allez. Ok, mesdames, vous allez. Oui, je vais vous aller après. Oui. Ah oui, nous allons continuer l'entretien avec le directeur technique national AIA et coach Chéri et Pierre. Qui... Reprends. On va qui va marcher d'été. Après deux fois, bon bonne conseil. Mesdames, Fabrice, nous live, on allait. Vite. Capitaine, qui joue? En forme, grâce à Dieu. Bon, mon petit détail, qui joue pour vous là? Mon mesdames, en forme. En forme? Oui, puis dame, est-ce que ça ne déroule dans le match passé? Il va aller. Après, je dis, oui. Il va nous souffrir en pile et face à Cuba. Oui, vous connaissez ça déjà. Nous avons atteint la pizza. Nous avons souffert quand même parce que le match plus tard, nous préparons pour ça. Pour nous avoir une autre prestation. Oui, notamment de concentration et des occasions qui sont faciles de scorer nos passes. Il faut tirer les oreilles en attaque. Oui, puis tu es prêt pour ça, pour aller les oreilles tout le parce que nous avons besoin de goal et il faut que nous qualifions. Et pour ça, et pour nous travailler pour lui, il faut que nous avec Haïti, à l'équipe, à couple à la main. C'est ça. Merci, bonne chance. Merci.
capitaine de Serikov et Joseph. Et motivé. On va le continuer avec DTN et Chéri. DTN, nous avons des nouvelles têtes là. Et d'abord, expliquez-nous ces séances ce matin hein, et qui nécessité que tu aies pour faire. Ah bon, en fait, tout d'abord, c'est une partie de un point que la préparation nous a été. Le temps n'est pas suffisant. Parce que, comme à l'accoutumée, nous avons des mesdames, presque sur l'année, dans un champ, nous avons tout le temps devant nous pour nous bien préparer. Mais dans cette série, tel n'est pas le cas. Côté que c'est seulement 15 jours que nous sommes capables de gagner. Nous nous disons 15 jours, mais pas 15 jours francs, que nous sommes capables de gagner pour nous capables de préparer pour venir ici avec nous. Et la majorité dans nous, dans la zone de la caille, nous pas dans l'entraînement, nous pas cap jouer. Nous pas en activité en gros. Donc ça vient fait que nous venons en gros retard et nous devons chercher à compenser. Heureusement pour nous, pour un match à nous arriver gagner quand même, qui baille une pulsion positive pour nous. Mais reste activité, nous obligés de quimber sous soin. Pour matin là, nous faisons une bonne activité éveil musculaire. Côté que hier après-midi, nous entraînons, c'est vrai. Mais si nous quittons passer toute journée et que nous pas aller à 10 groupes musculaires, pas dormi, parce que nous avons une activité plus tard qui peut être nous, il faut que nous soyons prêts pour ça. Et c'est ça que nous faisons maintenant là, de façon à ce que nous soyons capables de mettre le plus apte possible pour nous faire une meilleure performance possible pour plus tard. Sur le cas, nous remarquons dans le groupe là, côté nous avons deux nouvelles joueuses qui ont été avec nous dans le centre olympique là en Haïti. Mais pour raison pour l'autre, nous avons des difficultés, nous pas capables de déplacer au même moment que nous-mêmes. Nous avons toujours pu espérer pour arriver. Finalement, nous sommes très contents. C'est Ginette Aristil qui jouait comme attaquante, qui jouait tout comme ailier. Mais nous gagnons tout. Et ça, c'est Calix Christelle, qui est une joueuse qui est encore polyvalente, qui est capable de jouer comme latéral droit, qui est capable de jouer comme latéral gauche et qui est capable de jouer tout comme ailier. C'est du renfort, du renfort. C'est du renfort. On connaît côté que nous n'avons pas capable de arriver à gagner des mesdames qui sont capables de jouer dans des grands championnats. Nous ne sommes pas capables de gagner. Bon, en fait, nous sommes obligés que nous sommes capables de rebooster nous avec des joueuses locales qui sont capables de venir porter des supports et d'autres renforts pour nous, pour nous capables d'assurer, ou comment nous capables d'assurer une qualification d'Haïti dans le tournoi. Quand tu as un détail sur le règlement de compétition, c'est trois équipes par groupe qui ont qualifié et qui vont faire 12, mais tu es sur 4 qui sont déjà là pour passer dans la 8e de finale. Donc, information sur ça. Oui, bon, en fait, normalement, nous-mêmes, nous ne pouvons pas souhaiter dans ce genre de situation. Nous prenons le goût, mais nous-mêmes, comme nous comptons toujours faire, nous allons attendre merci l'autre équipe, nous allons attendre merci et zone. Nan. C'est Haïti qui pour pas aller chercher dans les trois équipes qui ont qualifié, etc. Nous connaissons des équipes qui sont en l'air pétante, c'est vrai. C'est avec eux nous avons préparé nous pour nous tromper contre nous, malgré les difficultés que nous avons avec nous qui sommes là en termes de préparation. Cependant, petit à petit, nous pensons dans le championnat, mais nous pouvons reprendre nous pour qu'on aille plus loin possible. Voilà, merci beaucoup. Merci et DTN, on va parler avec l'entraîneur principal là, et Fiorda, qui va parler technique. Et Madame Fiorda, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être ensemble aujourd'hui. Est-ce que par rapport à la seule séance que tu as gagné avant le match, vous trouvez Josio plus ou moins amélioré? Bon, la compétition, c'est comme ça. C'est jouer, et puis, ouais, point faible. Et puis, corriger, et puis, avancer. Et dans cette séance-là, j'ai essayé de faire le maximum pour que tout le monde puisse comprendre. Et qu'on ait responsabilité pour le match qui va venir là. Moi, que l'esprit a été très positif, tout le monde a appliqué, tout le monde comprend. Et encore avant le match, tout le monde fait des tableaux, pour capable comme si au moins faire des révisions. Tu as supposé jouer un plus bon match et l'objectif là, je veux dire, c'est qui s'allier, c'est remporter le match. Ça pour nous faire des têtes de placement. Et nous, cette équipe là, face à Cuba, tu as manqué de concentration. Ça, c'est plus ou moins mental maintenant, parce que là, on n'a pas de temps pour physique encore là. Yeah, c'est ça, normalement, nous sommes à 2-0. C'est vrai, dans le match qui habite là, tu voulais changer de nom dans nous. C'est-à-dire là, nous avons besoin de si, capacité mentale pour remonter nous. C'est ça que nous n'avons pas de gain. C'est-à-dire, je dis à là, nous plus ou moins attirer l'attention, mesdames. Lorsque nous avons genre de situation, ça pour aider des gens qui sont là pour aider que nous relever encore. Parce que vous connaissez le premier match nous. C'est vrai, Haïti, nous fait préparation, nous jouons contre 6 garçons, c'est pas la même réalité avec filles. Même pas c'est jeudi à là, nous sommes plus ou moins prêts pour affronter Guatemala.
Moi, j'ai des joueurs qui arrivent, oui, sont bonnes nouvelles. Ce sont très bonnes nouvelles parce que hier, avant hier, dans le match-là, c'est-à-dire tellement que ban nous réduit, c'était difficile pour faire des choix, pour aider nous à apporter des solutions avec les problèmes que nous avons sur le terrain. Mais je dis là, c'est plus bon pour nous-mêmes. Alors, avec Vini, mesdames, nous avons plus d'options pour que nous capables faire de plus bons choix et pour nous aider l'équipe à avancer. Merci beaucoup, coach. Bonne chance. Merci beaucoup. Voilà, c'était Fiorda Charles, directrice technique de cette équipe haïtienne des moins de 20 ans. Et oui, et rendez-vous assez pour Asoya à 7h en République dominicaine, mais à 6h en Haïti, et dans le stade Panamericano de San Cristobal. C'est là le match à jouer et tout haïtien qui en République dominicaine, tout haïtien qui est dans la zone, nous allons arriver à l'encourager, mesdames, puisque le match là c'est gratuit, vous pas payer et pour assister et match ça nous t'a aimé qu'a fait un pile bruit dans tête des Guatemaltèques au Pita et n'a pas signalé que c'est le leadership et du groupe qui va être joué et ce soir, puisque toutes les formations Haïti et Guatemala gagnent 3 points. N'a pas signalé que dans le premier match là Haïti débat Cuba 2-1, Guatemala t'est imposé 1-0 face à Jamaïque, donc il y a 3 points et au chaque. Et seulement Haïti gagne en meilleure attaque, même différence de but, plus un. Mais Haïti, à la faveur de ses deux buts inscrits, est en tête pour meilleure attaque. On a signalé format et compétition qui sont liés. C'est que gagne 4 équipes, alors 4 groupes de 4 qui ont joué. Et tout ça à la République dominicaine. Ça veut dire que 16 équipes gagnent et 12 qui ont qualifié pour les huitièmes de finale et en raison de 3 équipes par groupe, donc premier, deuxième, troisième de chaque groupe A, B, C, D et de chaque groupe qui a qualifié pour huitièmes de finale. Les noms dit 12 et vous parlez des huitièmes de finale, c'est parce que gagné 4 autres équipes qui étaient jouées en tour en septembre qui sont passées à là ou même et Suriname et Curaçao et ou même déjà qualifié. Donc, pour faire 16, et équipe là, lors du 16, on va dominer en 8e de finale. Après 8e de finale, après 8 pour faire quart de finale. Après quart de finale, après 4 pour faire demi-finale. Petite finale, finale. Donc, les deux finalistes, normalement, ont qualifié pour Coupe du Monde là. Équipe qui est 3e, non, ont qualifié. Trois équipes qualifiées, ça y est, qui ont sorti dans. Tout cap joue République dominicaine là pour aller rejoindre Costa Rica comme pays organisateur de cette Coupe du Monde de la FIFA qui a fait en août prochain. Et sélection ça, nous t'ai dit déjà, il fait l'histoire. Il était première sélection de la Caraïbe qui était qualifiée pour une Coupe du Monde de football de la FIFA, toutes catégories confondues. A déjà une équipe femme dans Caraïbes là avant sélection U20 en 2018 qui était allée dans mondial. C'est pas dire fait son fait historique, son fait qui historique que nous devons rappeler. Et pour il est vrai que monde qui a dit que n'a vivre dans le passé mais rappelez-vous mesdames ça que Nerilia Mondésir et Neftali Norte et Tichal Whitney Maturin et Daddy Shirley jeudi t'es allé dans mondial et sous non sélection ça qui a joué jeudi hein? Donc rappelez-vous ça c'est intéressant et ça capable en quelque sorte motiver pour aller chercher et une qualification. C'est pas une entreprise facile, c'est pas une activité facile, mais et mesdames et déterminés et pour continuer écrire ligne par dans l'histoire et Coupe du Monde et football féminin moins de 20 ans. Et donc, que vous continuez, nous espérons après les fêtes, même si c'est très difficile. Et donc, il faut rêver qu'on ait gagné Canada qui l'a, gagné États-Unis, gagné Mexique et qui l'a. Et Canada va jamais oublier, chaque fois Canada néglige nous, que ce soit en football féminin ou masculin, dans mon bagage que nous faisons. Donc, le Canada prend notre très au sérieux pour nous. Toute équipe prend au sérieux de bien jouer avec nous. Vous connaissez que Haïti a son autre bagage. Il est vrai, nous n'avons pas la même ambiance que nous avons gagné en 2018. Là. Et pas la même ambiance dans la mesure où nous avons gagné, mesdames, qui ont joué au football
tout le temps dans le ranch, jouer au football et manger, aller à l'école. C'est comme ça le délire. Et donc, au coach Chéri Pierre, il dit ça va gagner longtemps. Et Rancha est obligé et pas qu'à l'ouvrir. Timon a perdu l'année scolaire et n'a perdu l'année sportive là tout. Parce que là, il y a une sélection U17 là, qui sous peu gagner pour venir dans l'activité. Il y a un joueur qui est dans la sélection ça, qui est dans U17. Et coach Chéri parle de l'inactivité de certaines de ses joueuses. Et c'est évident puisque le football n'a pas roulé comme ça doit et dans le pays. Et ce n'est pas personne qui la cause, c'est nous autres Haïtiens qui la cause. Et nous campons là et avec mon petit ville, Péguiville, et Girado, Mayotte, Mayotte. Tout le monde qui t'a suivi, nous, merci en pile, merci pour l'attention. Nous allons continuer à suivre l'activité, mesdames, dans la sélection ça, et pour nous rapporter. Nous allons laisser Fon parler avec coach pour connaître qui changement. Est-ce qu'il y a des changements par rapport aux 11 que l'IT a gagné et face à Cuba? Qui ça le pralie? Surveillez nos publications et nous informer de temps en temps. Bonjour, bonsoir tout le monde. Restez fidèles à la page Facebook Fédération Haïtienne de Football. Nous sommes bien contents pour un bon service. À bientôt.